Salut, salut, c'est toujours moi, monsieur le puissant 225. Voilà, donc aujourd'hui nous allons essayer de résoudre l'intégrale qui est juste là au tableau. C'est une intégrale que plusieurs personnes me demandent de résoudre, donc je ne sais pas. Mais je vais vous dire que les thèmes d'intégrale, par exemple comme ça, c'est vraiment très simple, c'est pas compliqué. Donc, vraiment, je vous exhorte à faire quoi? À aussi vous abonner à la page Facebook et à la page YouTube. Ok, donc commençons rapidement. Comment ça se passe? Donc, ici, nous avons l'intégrale de l'indice x sur x, ln de 4x. Donc, ça veut dire quoi? Ici, nous avons par exemple de ln de 2x. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire par exemple comme ça: ln de 2x sur x, ln de 2 fois 2x. Voilà, donc comme vous voyez, ici c'est 2 fois 2x, ça fait 4x. Donc maintenant, on peut essayer de séparer un peu. X, ln de 2 plus ln de 2x de x. Voilà. Donc maintenant que nous avons ln de x, ln de x là, nous pouvons poser. Donc posons que quoi que t égale à quoi? Égale à ln de 2x. C'est qui veut dire quoi? C'est qui veut dire que d de x, c'est que d de t égale à quoi? Égale à ici, U', ça fait 2x sur 2x, et 2 sur 2x, ça fait 1 sur x, dx. Voilà, donc d de t que là, égale à quoi? Égale à 1 sur x, dx. Alors, ça devient quoi? Ça devient I égale à quoi? Intégrale. De ma tête, ici, on a d de x sur x que là. Ici aussi, on a d de x sur x, donc c'est ça que d de t. Donc, on va avoir là, t sur ici ln de 2 plus t d de t. Voilà, donc regardez bien, donc c'est ce qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ici par exemple, on a ln de 2, donc ici on peut ajouter par exemple plus ln de 2 et on retrache encore à moins ln de 2. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne i égale à intégrale de quoi? De t plus ln de 2 sur ln de 2 plus t de t moins intégrale de quoi? De ln de 2 sur ln de 2 plus t de t. Voilà, donc on peut avoir ça par exemple, on a ça. Mais si vous remarquez bien ici, vous allez voir que t plus ln de 2 sur ln plus t, on peut la simplifier rapidement et avoir ce qu'il y a là. Donc ça nous donne quoi? Donc ça nous donne i égale à quoi? Égale à ici, ça fait dt sur moi, ça fait dt moins, et là, ça donne un point. Je vais l'avoir écrit, et après, ln de 2 plus t dt. Voilà, donc vous pouvez passer un peu haut. Donc vous pouvez passer là. Donc, ça nous donne quoi ici? Ici, ça donne seulement que t, la multiplicité de t, c'est t, et là, ça donne quoi? On dérive ce qui est là, tout ce qui est là, donc ça fait moins de ln de 2, et en parenthèse, de ln de 2 plus t. Voilà. Or, n'oubliez pas, on avait posé que ln de 2x était égal à quoi? Était égal à t. Donc on va passer à l'argument. Donc ça veut dire que i égale à quoi? Égal à ln de 2x moins ln de 2 de ln de